Mettez-vous en position, nous avons des créatures à combattre. Ils vont sortir du couloir. Moi, je vais rester ici pour surveiller. Mais t'es vraiment des gonflés. Baston ! Je vois des oreilles pointues et des crocs. Alors, qu'est-ce que c'est ? Des orques. Ah, la saut ! Mais attendez, là. Je suis pas prêt. C'est mon parti. Attendez ! Mais non, les barbares sont déjà sur eux. Oh, mais c'est du calme. Putain, mais je suis vraiment pas prêt, là. Faut s'organiser. Non, mais pas tous en même temps. Fais attention avec tes flèches. Bon, je vais sortir mon épée. Qu'est-ce que c'est que cette lumière? La gifle de Nazar. C'est pas la peine de gaspiller tes sorts contre les orques. Je fais ce que je veux. Quel bordel. C'est trop facile. Ils sont vraiment horribles. Mais vous êtes malade. Ces gens sont des brutes. Mais ouais, c'est ça. Bon, je vais les fouiller. Doucement, nous devons partager le butin. Pas question, celui-là, il est à moi. Et moi, j'ai lancé un sort. C'est de la merde, ta magie. Et moi, j'ai tiré une flèche. C'était pas la peine. C'est vraiment injuste. Tu auras plus de chance la prochaine fois. Je vais fouiller l'autre. Qu'est-ce qu'il y a? Il veut pas qu'on touche à son arc. Eh merde! Il détient peut-être un objet capital pour notre mission. Il dit qu'il te donnera ses vêtements quand il l'aura mangé. Mais il va vraiment manger cette créature puante? Hélas! Bon, j'ai terminé avec l'orc. Alors? J'ai trouvé une vieille gourde avec du vin pourri, une épée cassée, un couteau, un bouclier merdique, deux pièces d'or et une clé avec une étiquette. J'aimerais bien examiner cette clé. Tu peux toujours courir. Allez, donne-la-moi. Va chier. Pour l'instant, nous n'avons pas besoin de clé. Alors poursuivons. J'ai soif. J'ai besoin de faire le plan. La pièce fait 6 m34 sur 10 m78 et la hauteur au plafond est de 3 m55. Eh ben. Les murs sont de granit noir et on peut voir ici la marque de l'architecte. Mort il y a 400 ans, étouffé par son édredon. C'est stupéfiant. La pièce complètement vide est éclairée par une torche. Le couloir d'une largeur de 2 m55 se dirige vers le nord et disparaît dans les ténèbres. Le voleur va passer en premier pour détecter les pièges. Vous êtes sûr? Oui, c'est capital. Allez, vas-y. Mais il y a peut-être d'autres orques? Si vous voulez, je peux lancer un sort de détection pour les... Non! Tu vas les détecter, ces pièges, oui ou non? Je peux te couvrir avec mes flèches. D'accord, j'y vais. Attends, avant que tu partes, je voulais te dire... Tu sais, on n'a pas été toujours juste avec toi et... Si t'arrive quelque chose, je veux que tu saches qu'on pensera longtemps à toi et à ton courage. Merci, c'est vraiment rassurant. Allez, avance, qu'est-ce que t'attends? J'ai préparé mon arc. Tiens, voilà ma torche. J'y vais. 1 mètre. 2 mètres. 3 mètres. 4 mètres. 6 mètres. Il s'en sort bien. 8 mètres. Hé, hey, il y a quelque chose, là. Ah! J'ai mal! Ah merde, je l'ai touché. Aïe! Mais pourquoi t'as tiré? Mais j'ai pensé qu'il y avait un monstre. Mais c'est pas vrai, quel débile. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ça fait très mal. L'elfe t'a tiré une flèche dans le dos. Je suis vraiment désolé. J'ai plus envie de détecter les pièges. Enlevez-moi ça. Fais voir cette blessure. Ah, tu l'as pas loupé. Bravo! Toi, la magicienne, fais quelque chose pour soigner cet homme qui souffre. Désolé, je ne suis pas doctoresse. Je fais de la magie de combat. Tu mens, tu as soigné l'elfe il y a 10 minutes. Je n'ai plus de sort de soins disponibles. Ça fait atroce, mon mal. Mais vous êtes tous dingues! Il a assommé le voleur. A plus mal, maintenant. Il dit que c'est pour l'anesthésie. Il faut enlever la flèche. Je vais le faire. J'ai des compétences en chirurgie. Éclairez-la. Passez-moi un couteau. Tiens. C'est une vilaine plaie. Il vaut mieux de le laisser là. Il va nous encombrer. De toute façon, c'est un connard. Un peu de solidarité, bordel. Attention, je tire la flèche. 1, 2, 3. Eh ben, ça l'a réveillé. Ça pisse le sang, il ira pas loin. J'ai pas envie de mourir, moi. Pose la torche sur la plaie, on va le faire cicatriser. Ah, attendez. Ça va mieux? Je crois qu'il va s'en sortir. Il faut maintenant voir ce qui se cache dans ce tunnel.